effectivement dans cette nouvelle configuration, liée un petit peu à la logistique du spectacle de ce soir, mais on est au milieu de tout le monde et c'est très bien. Madame la députée, monsieur le président de la CDC, conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires et élus du territoire, monsieur le président du CAC et mesdames et messieurs les bénévoles, chers grands maîtres et l'ensemble des compagnons de la confrérie du Bordeaux ainsi que les représentants de l'ensemble des confréries présentes, la confrérie de la Cerise d'Escoussan et la confrérie des Palmaires de l'Entre-deux-Mers, mesdames et messieurs, chers amis, c'est une immense joie pour moi de vous accueillir à l'occasion de ce nouveau chapitre d'intronisation par la confrérie des compagnons du Bordeaux à l'occasion de la 52e fête des vins de Sauveterre. Permettez-moi pour commencer de saluer chaleureusement notre ami Guy Latour qui est derrière, Sauveterrien qui fut le grand maître de la confrérie pendant de très nombreuses années, et sa successeur, Madame Dufort, grand maître de la confrérie des compagnons du Bordeaux, que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. Notre fête est intrinsèquement liée au vin de notre territoire, à sa promotion et à sa valorisation, à la valorisation de ce savoir-faire au cœur du territoire. Chacun sait le contexte de crise qui touche la viticulture aujourd'hui. Chacun sait aussi ce que nous avons vécu il y a quelques jours avec l'épisode de Grêle. Mais par-delà l'adversité, chacun continue à aller de l'avant, continue à se battre pour l'amour du vin, pour sa passion, pour ce patrimoine qui est le cœur battant, dynamique et vivant de notre territoire. Merci aux viticulteurs qui animent le stand qui est juste à côté de nous, viticulteurs et vignerons du pays de Sauveterre. Merci à eux, merci à la bande de vignerons qui se projette vers l'avenir pour dépasser ce que nous avons vécu dernièrement. Comme toujours, pour se projeter, il ne faut jamais oublier ce que l'on est, d'où l'on vient, et savoir revenir aux fondamentaux, ce qu'on fait à chaque fois lors de cette cérémonie du dimanche matin. C'est que pendant 3 jours, nous mettons les vins en valeur et nous mettons la dégustation de ces vins, la valorisation de ce patrimoine au cœur de notre fête, l'une des plus grandes du territoire de la Gironde pour fêter le vin. Autour de vous, nous nous unissons tous, d'abord grâce à la dynamique des bénévoles, on l'a redit hier, les bénévoles du CAC, ensuite grâce à la dynamique de l'équipe municipale, l'ensemble des agents municipaux et des élus, et puis enfin grâce à vous tous, ici réunis, grâce à tous ceux qui font que, par leur soutien, par leur présence, cette fête est belle et grande. Alors nous ne le répéterons jamais assez, c'est ce collectif-là qu'on vit ici physiquement aujourd'hui qui fait que cette fête est belle et grande. Le dimanche dans la fête des vins, c'est le jour des intronisations avec la confrérie des compagnons du Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour être intronisé les personnalités suivantes. Daniel Montagnan, chauffeur de semi-remorque et chef monteur pour JLG Événements, qui ne peut pas être là présent parmi nous, mais à qui on pense beaucoup aujourd'hui. Andréa Jouan, bénévole du CAC, ancienne jeune bénévole. Et on peut, à travers elle, féliciter et encourager sincèrement tous les jeunes bénévoles avec les t-shirts blancs qui travaillent toute la journée dans la fête. Estelle Torgiam, bénévole et secrétaire adjointe du CAC. Dans le dévouement pour la fête et plus à démontrer. Christian Achille, agent municipal, agent de la commune de Sauveterre, responsable adjoint des services techniques et l'un des piliers de l'organisation de cette fête grâce au travail des services techniques. Jocelyne Puyot, viticultrice à Saint-Brice, membre du collectif Bande de Vignerons, est toujours présente à Sauveterre et ailleurs pour faire déguster et mettre à l'honneur les vins. Françoise Bouda, viticultrice
Patrice Amorès, co-présidente du Vélo Club Sud-Gironde, dont le siège est ici, à Sauveterre-de-Guyenne, on en est très fiers. Mathilde Feld, nouvelle députée de la 12e circonscription de la Gironde, et qui connaît par son expérience d'élu et par son expérience professionnelle aussi très bien ce territoire de l'Entre-deux-Mers et ses territoires viticoles. Aurélien Wick, acteur et réalisateur et scénariste, qui nous fait l'amitié et la joie d'être là, qui s'est installé il y a quelques temps dans la région et qui propose sur Radio Entre-deux-Mers, la radio locale, une émission le jeudi régulièrement de 22h à minuit pour parler de la vie culturelle et artistique de la région. Merci vraiment à tous pour votre présence qui nous honore ici, qui honore la viticulture et qui nous permet de fêter dignement comme tous les ans notre 52e fête des vins. Pour conclure, un mot pour remercier une personne dans l'assistance, Madame Véronique Charpentier, qui a fait les photos de toutes les vigneronnes et viticultrices de l'Entre-deux-Mers que vous pouvez voir en parcourant les arcades. Magnifique photo. Je tiens à faire la publique et c'est une manière aussi. C'est une manière aussi de travailler en tant que viticultrice, mais le travail magnifique qui a été fait par Madame Charpentier. Vive le vin de Bordeaux, vive la fête des vins, vive Sauveterre-de-Guyenne. Bonjour à tous. Je déclare ouvert le 742e chapitre exceptionnel des Compagnons du Bordeaux. Je demande à notre grand chancelier, Yves Damécourt, de bien vouloir lire l'hymne à la gloire des vins de Bordeaux. Pour le coller à mon Je vous lis. Notre compagnon Maurice Druon, académicien et compagnon du Bordeaux. Gloire au vin de Bordeaux, à toi, hommages et allégeances. Voici tes compagnons assemblés pour célébrer tes vertus et ta gloire. Voici ceux qui par leurs travaux dans les règes et dans les chais assurent la pérennité. Voici ceux qui te goûtent. Voici ceux qui t'habillent, voici ceux qui au loin proclament ta renommée. Vin deux fois millénaire, qui a son aube romaine, affina la muse de l'élégiaque Ozone, qui au temps médiévaux enflamma le cœur de la frivole Éléonore. Et par elle te gagna celui ô combien fidèle de tes grands Bretons qui au siècle de la raison aiguisa l'esprit subtil de l'illustre Montesquieu. Ô toi qui par les générations a réjoui nobles et pauvres, vin d'honneur de nos assemblées et de nos hôtes, vin de bourgeoisie de nos édiles et dignitaires, vin de veille de nos gardes, vin de clercs de nos plaideurs, vin de joie de nos noces et de nos agapes, ô toi unique et pourtant si divers dans les terroirs des rives de la Dordogne, aux coteaux de la Gironde, ici généreux, paré des plus belles couleurs, plein de rondeur, là, subtilement fruité, et là encore corsé, ou d'un moelleux somptueux, mais partout plein de finesse, de bouquets et de distinction. Nous te saluons, imitable vin de Bordeaux, amis compagnons et gentilles compagnes, faisons serment de te faire toujours mieux connaître, de te faire aimer, de te faire respecter, de porter haut et ferme ton pavillon, de chanter ta gloire dans l'amitié. Nous le jurons. Monsieur Jean-Louis Reculier, veuillez frapper les 12 coups de maillet sur la barrique. Thank you.
Jocelyne Guillot. Hey, Jocelyne. Françoise Bouda. Mathieu Fed. Aurélien Vic. Vous exercez en qualité d'éducatrice
exercice avec notamment un diplôme Bac plus 2 de psychologie et une spécialisation dans les troubles autistiques. Vous êtes maman de 3 enfants. C'est en suivant le papa qui œuvrait au sein de l'équipe de Sauve-Care Fête-le-Vin que toute la famille est devenue bénévole. Depuis 7 ans, on a envoyé l'équipe en bain de la famille familiale. Vous êtes actuellement secrétaire adjoint de l'association et de ce fait, vous avez pris une place beaucoup plus active dans l'organisation. Vous y retrouvez de la convivialité, des temps d'échange, y compris sur l'oreiller, et de joie que vous n'hésitez pas à transmettre. C'est pourquoi, chers amis, compagnons, je vous demande d'accepter Madame Estelle Forgial en qualité de vigneronne d'honneur de notre conseil. Christian est un véritable pilier de la commune de Sauveterre-de-Guyenne, où il réside depuis 1987. Christian, non seulement est citoyen dévoué, mais aussi le père de 2 enfants, aujourd'hui également grand-père. Son parcours au sein de notre collectivité est un exemple de travail acharné et de détermination. Il a rejoint les services de la commune le 1er juin 2005 en tant qu'agent d'entretien et aujourd'hui agent de l'été principal. Une reconnaissance bien héritée de son professionnalisme et de sa persévérance. Depuis 2019, Christian occupe le poste de responsable adjoint du service technique. Sa polyvalence, sa capacité à jongler avec les urgences permanentes et sa rigueur en font un acteur clé de la commune. En septembre 2022, Christian a élargi ses compétences en devenant agent de surveillance de surveillance de la voie publique. Un rôle dans lequel il est particulièrement impliqué de la régularisation de la zone bleue de la place de la République. Une séance investie pleinement, tant en amont qu'en aval. Dans le suivi logistique, cet événement communal essentiel en assurant une mise en place impeccable et veillant à ce que tout soit secrètement orchestré jusqu'à la fin. Une séance assise incarne une valeur de dévouement, de compétence et de service public pour la vie de son frère et pour sa fête déjà. C'est pourquoi, chers amis compagnons, je vous demande d'accepter de ce Christian Achille en qualité de leader en honneur de notre confrère.
Françoise Boudard. C'est un nom qui me fait penser à une certaine cycliste. Il va être au JO. Oui, le fils de Mme Boudard va représenter la France au JO en cyclisme. Voilà. Alors, Madame Françoise Boudard, native de Sainte-Croix-du-Mont, vous avez grandi au milieu des vignes sur la commune de Mourens. Vous êtes la cinquième génération d'une famille de viticulteurs. Vos études supérieures vous ont conduite à l'obtention d'un diplôme de chirurgien dentaire. Et vous vous êtes installé à Talence. Vous avez été également maître de conférence à la faculté d'odontologie de Bordeaux. En parallèle, vous êtes viticultrice à Mourens. Vous êtes maman de 3 enfants. Dans votre famille, vous avez 2 passions, le vin et le vélo. C'est la même initiale. Pour trouver un troisième, je ne sais pas. Votre père, Joseph Sicana, ça me dit quelque chose. Votre père, Joseph Sicana, et votre fils Thomas Boudard ont participé au Tour de France. Thomas va participer au JO de Paris 2024 sur les épreuves de cyclisme sur piste. Vous êtes présidente du Vélo Club du Sud Gironde, dont le siège est à Sauveterre de Guyenne, comme l'a rappelé Monsieur le maire. Aujourd'hui, avec votre mari et vos enfants, dont 6e génération, vous êtes viticulteur dans plusieurs appellations bordelaises. Bordeaux, Côte de Bordeaux, Entre-de-Mer, Sainte-Croix-du-Mont, Loupiac, Graves et Saint-Émilion. On pourra en laisser un peu aux autres. C'est pourquoi, là je pense qu'il ne va pas y avoir de problème, c'est pourquoi, chers amis compagnons, je vous demande d'accepter Madame Florence Boudard en qualité de vigneronne d'honneur de notre confrérie. Nous le voulons. Gracias.
existants et nous vous informons qu'à dater de ce jour, vous avez tout loisir pour entrer dans nos chais, dans nos caves, de jour comme de nuit. La nuit, il vaut mieux passer un petit coup de fil avant, hein, quand même aussi. Voilà, et en foi de foi, je vous prie de bien vouloir déguster ce verre de loyale amitié. Ce matin, je vais vous faire voir le concours élégant pour la déclaration.